Et y'a tout le monde, c'est TheGamer 382. Oh, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Skyrim, donc notre esprit. Et on se retrouve en compagnie de Roloff. Donc, je vais un peu récapituler l'épisode d'avant. Donc, on était parti pour se faire exécuter. Un dragon, il y a entre guillemets, est venu nous sauver. M'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte pour libérer Bordeaux. Donc, là, il fallait aller jusqu'à Vendôme. Et. Donc, il peut savoir ce que signifie la venue du dragon. On s'est fait à peu près, voilà, donc il a dit à peu près sauvé par un dragon, mais pas trop. Hein. Et donc, du coup, on est allé dans un donjon, on s'est fait dans un donjon. Donc, on est avec les sombrages, on est contre les impériaux. Et on s'est sauvé du coup de ce donjon et on est arrivé là et on a déjà arrêté la vidéo, donc là on reprend. Donc, on doit aller. Vous voyez ? On doit aller. Donc Roloff m'a suggéré de me rendre à la ville voisine de Rivebois. Sa sœur y possède une scierie et devrait pouvoir m'aider. Donc adressez-vous à Guédur à Rivebois. Donc il faut s'adresser à Guédur à Rivebois. Et il faut rejoindre la rébellion. La rébellion de Sombrage. Donc nous on est avec les Sombrages. Donc libération. Donc voilà, on a tout fait. On a tout fait. Donc on va d'abord. Adressez-vous à Guidur à Rivebois. Oui, là-haut. Donc, on va le sélectionner. Et voilà. Donc, vous voyez le point là-haut. On va aller là, mais d'abord, on va aller un petit peu explorer tout ça. Donc, on va le faire en 30 minutes, on va revenir là. Donc là, si on saute, on va mourir. Donc, on va essayer de jump. Voyez-vous, donc là, regardez, boum. Ça, les pierres anciennes, nouvelle découverte. Donc là, on pourra se téléporter, on pourra faire des... Alors. Tu veux ça? Le d'un seul bienfait, c'est signe. Acceptez le signe. Alors, oui. D'accord. Donc, je crois que je l'ai fait. Voici les pierres gardiennes. Pas des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de bord de ciel. Pas plus. On va juste faire autre chose. Après, il y aura des gros épisodes de 1 heure à peu près. Donc, pour explorer un petit peu tout. On va regarder après. Donc, tac, tac. Donc, vous voyez qu'on a la carte. Donc, hop, on peut faire déplacement rapide. Voilà, déplacement rapide. Donc, non. Et donc, nous, on voit qu'on veut aller arriver bois. Vous n'avez pas encore découvert ce lieu, souhaitez-vous passer un repère? Oui, je le souhaite. Ah ouais, non, mais non, on va enlever lui alors. Comment faire pour enlever un repère? Ok, non. On va continuer, vous voyez, on va aller toujours vers l'espèce du truc avec le marteau et la pierre. Roloff, il me suit ou pas? Sinon, dites-le si vous voulez que je mette comme ça ou comme ça. Moi, je préfère personnellement comme ça. Ou on va se mettre comme ça. Voilà, mine. Alors, la mine, on ira les explorer plus tard. Alors, je sais pas l'utiliser, donc je vais pas de surprise. Mince. Oui, il faut aller. Yes. Voilà. Super. Donc, j'ai perdu un petit peu de vie, mais c'est pas grave. Donc, masse de fer, on n'a pas, mais ça, on prend. On n'a pas, mais le client pose, ça sert à rien. Masse de fer, on n'a pas, je crois. Donc, on va voir tout ça. Si on a... Ah, masse de fer, on avait. Donc, hop, on va en lâcher une. Voilà. On va essayer de totaliser un petit peu toutes les armes. Après, on verra. Hein. Donc, je sais qu'il y a une forge et tout. Il y a plein de choses possibles. C'est vraiment un jeu vraiment très, très, très vaste. Donc, hop là. Excusez-moi pour le petit lag. Ah, ouais. Donc, je lag un petit peu. C'est pas grave. Je pense que ça ne verra pas trop sur la vidéo. De loup, valeur 10, ok, ça se vend, ça c'est pas mal. Mince. Ok, rencontrer. Ok, ah, flèche, tiens. Donc il avait dû prendre une flèche, donc il doit avoir quelqu'un vers là. Ça doit être le bandit, peut-être. Donc nous allons continuer, donc ouais, donc je répète bien que les épisodes dureront 30 minutes, je pense que c'est bien. Ça nous permet de faire pas mal de choses.
Renard. Peau de renard. C'est moins, mais bon. On va le prendre, écoutez. On n'est pas trop lourd, regardez. 136, non, même pas la moitié, donc c'est bien. Ça va, tranquille. Donc on va aller directement rejoindre Rivebois. Donc là, vous voyez que c'est un temple en haut, là. Il y aura des épisodes spéciaux pour les temples. Et après, vous verrez. Je vais pas trop en parler parce que l'aventure commence juste, donc voilà. Allez, on va rentrer tranquillement à Rivebois. On va essayer de parler à Guédu ou je ne sais pas qui. Donc voilà. On va faire. Voilà, Rivebois. Ça, c'est cool. Donc, notre premier village. Excusez-moi pour le bruit. Donc, Guédu. J'ai vu un dragon. Vas-y, t'es moi. Qui y a-t-il en? Fendal pense qu'il peut me dérober Camilla Valéry. Non, on va pas perdre notre temps, on va directement aller voir comment il s'appelle. Gerdur. Mm-hmm. Gerdur, est-ce que c'est toi? Non, toi tu t'appelles Alvor. Moi je cherche Gerdur. Alvor et Sigurd, moi je m'en fous tant que c'est pas Gerdur. Mais je vais suivre le point. Ah là, il est là, regardez. Vous voyez? Donc normalement il s'appelle Gerdur, enfin ou elle. Elle s'appelle bien Gerdur, donc on va lui parler. D'arriver à Rivebois. Alors, on m'a dit que vous étiez en mesure de m'aider. Allez voir Odd à la sienne. Ralof, vous le connaissez? Il m'a dit que vous pourriez m'aider, oui. Si vous connaissez vraiment Ralof, je vous aiderai avec plaisir. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Où l'avez-vous rencontré? Un dragon? On va attaquer Elgen. À Elgen? C'est impossible. À moins que... Ça expliquerait donc ce que j'ai vu arriver en volant par le sud et descendre la vallée. Je pensais avoir halluciné. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. Vous avez bien la tête de quelqu'un qui vient de voir un dragon. C'est de pire en pire. D'abord la guerre, maintenant les dragons. Le Jarl doit Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Adressez-vous au Jarl de Blancherie. Donc on a une autre quête, donc normalement. Donc ouais, donc c'est bon avant la tempête. Et d'hiver au journal. Donc on ira rejoindre la rébellion, mais d'abord on va continuer avant la tempête. On va finir le avant la tempête. Mais avant on va voir s'il n'y a pas des choses dans ce petit village. Donc et après on ira à Blancherie, vous inquiétez pas, on a le temps, on a le temps. Donc. Niveau 1 encore, même pas niveau 2. Tac, alors j'ai envie, mais je sais pas si je le prends. Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers, mais vous avez l'air aimable. J'ai envie de voler. Wesh, les gens, j'ai aucun respect ou pas? Le respire n'a plus. Je me casse. J'ai plus de respire ici. Oh, le respire n'a plus. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je voulais faire plutôt? Alors là. Ouais, on va mettre là le. On va passer un point là. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici, donc on va. Dites-moi-le s'il y a quelque chose à faire, mais j'y reviendrai de toute façon. Là, on va essayer d'aller à Blancherie. Non! C'est juste une poule! Run for your life! Il faut se calmer, hein, c'est une poule, hein. comment on fait pour rien, hein? Je crois que c'est... Vous êtes une honte sur votre race. Hésiter. Bon. J'ai envie de les tuer, moi. Moi, je vais... Oh non, moi, un peu la peur. Putain, mais c'est gardien, en plus, quoi. Ah, je vais me laisser tuer. Vas-y. Moi.
Bon, tue-moi. Comment je te tue? Allez. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, parce que là, j'aurais pas dû prendre la poule. Donc, je ne tuerai plus jamais les poules, d'accord? Plus jamais. Je ne tuerai plus aucune poule, promis. Donc, voilà. Donc, cette poule-là, vous inquiétez pas, je vais la laisser tranquille. Lol. C'est un chien? Je crois que c'était un loup, j'allais le taper, ils allaient me taper. Ils auraient été méchants. On va refaire pareil. Donc, on va aller là-bas. Donc, on va prendre les points qui sont sur nos passages. Sur notre passage. J'ai peut-être... Ah, j'ai mal mis le point, je crois. Non, il est... Oh, il est juste derrière, regardez. Bon, on va continuer tranquillement. Riverwood. On va passer par là, allez. On va aller un petit peu en montagne. Ah, un moulin. Ça va être le moulin de chef, peut-être. Là, il n'y a pas des ruines, par hasard. Ça, c'est fait. Oh, niveau 2, yes. Donc, plus un niveau, donc normalement, on aura des points de compétence. Donc, tac. Voilà, plus un niveau. Donc, vous voyez qu'on a des points de compétence, du coup. Lorsque vous passez un niveau supérieur, vous devez choisir d'augmenter votre chance, votre magie ou votre vigueur. Vous avez également... Vous avez également la possibilité de sélectionner un nouvel ajout, mais vous pouvez remettre ce choix à plus tard. Les atouts disponibles sont mis en valeur dans chaque constellation. Super, donc les constellations. Donc déjà, moi je pense qu'on est d'accord, tous, on va mettre un point sur la santé. Ouais. Donc les constellations, c'est tout ça, regardez. Tout ça. Voilà, tout ça, c'est vraiment super bien fait. Donc, alors il y a la constellation de destruction. Donc nous, on est des barbares, donc qu'est-ce qu'on va prendre? La destruction. Donc hop, on s'avance. Donc le premier point. Donc c'est là qu'il faut le prendre. Voulez-vous? Oui. Destruction de maîtrise, donc après ainsi de suite, et après vous aurez voilà, destruction de maître. Donc là on a un tout petit point, donc on peut pas le mettre dans un autre point puisqu'on a plus de points de compétence. Il faut un autre point de compétence, mais et pour ça faut monter d'un autre niveau. Bon, je pense que vous avez compris. Après, attendez, conjugation, on pourra pas non plus. Donc voilà, ça c'est cool, donc on a déjà plus de vie. D'être gros, on va acheter des choses. Ça fait beaucoup de dégâts quand même, mais c'est lourd. Ça, on va le jeter. Ça aussi, je pense. C'est tout ce qu'on a. Voilà, le max. Et on va dire que ça livre. Livre de sort, étincelle. Voilà, nouveau sort appris, étincelle. Ça, c'est cool. Donc, vous voyez qu'on peut récolter les livres, on peut apprendre d'autres nouveaux sorts. La clé d'Alken, peau d'ours, ouais. Oui. Je pense qu'on va pas le prendre parce que je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, on ne prend plus les loups, on ne fouillera plus les loups. Allez. Et à la Blanche, voilà Blanche Rive. Il y a des écuries, il y a des moulins, il y a plein de choses. Ah. On monte chasse. Qu'est-ce que...
Ok, c'est pas grave. Donc, arme, comment on peut faire pour. Favori, donc on va mettre F. En jeu, appuyez sur A. Ok. Et tenez F. Donc là, si on appuie sur A, ding, tac, tac. Vous voyez, c'est sûr. Donc on va mettre aussi notre arc du coup. En F. Donc avec ça, évidemment. Donc si on appuie sur A, nickel. Hop, on l'est. Donc voilà. Hop. Comme ça, on pourra changer de truc. Et si on en a marre, on revient sur A directement. C'est super. Donc vous voyez, on a une petite mine. Donc on a le temps. On a encore 15 minutes. Donc c'est la moitié de la vidéo déjà. Donc on va aller voir cette mine. Excusez-moi pour le bruit, hein. C'est les travaux. Ou des impériaux, je crois qu'ils vont m'attaquer. Je ne sais pas, je le saurai en bas. Si ils m'attaquent, je le fais. Affaires impériales, poussez-vous. C'est comment ça Affaires impériales, poussez-vous. Ça vous aide sombre. Hein. Je vous le... Votre présence interfère avec les affaires impériales. Boost. Oh, il y a un truc d'eau, c'est tout. Donc, c'est juste à côté, on y va, les gars. Donc, je pense qu'on va, on va laisser le suspense à son comble et on va se laisser juste devant le roi de Blancherive. Et pour la prochaine vidéo, donc on sera à Blancherive. Donc, moi, je pense qu'on aura exploré les beaux bois, on aura fait pas mal de choses. Il y a une masse de trucs, vous voyez. On a dit qu'on les exploitait plus. Qu'est-ce que je dis? Un petit peu de fight. Bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il avait vu? On prend pas. Note à Rodulf. Ok, on prend. Elle est vide. Un archer. Il est là. C'est mon archer. Oh, le fail. Vous pouvez pas faire mieux. Je peux faire ça. Là. Vous pouvez pas faire mieux. Arc de chasse. Pioche. On va le prendre, on va voir ce qu'on a nous. Nous on a un arc long. Donc l'arc de chasse qui fait 10 fois plus de dégâts. Et par contre, donc tac, et hop, on a un favori. Donc c'est normal si on fait A. Ça nous aura passé par l'arc de chasse. Parfait. Donc non, on n'y va pas. De la rivière Blanche. On y va pas, on ira dans le prochain épisode peut-être. Non, je parle dans le prochain épisode. Ce sera toutes les quêtes de Blancherive. Mais voilà, on a exploré tout ça. Super. Je crois que je l'ai en destination rapide. Ouais, je l'ai, c'est bon. On n'a pas grand chose, mais au fil du temps, on va voir qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en exploration rapide. Donc en fait, ce qui est important avec ça, c'est par exemple s'il y a une mission qui est juste à côté d'un des points de destination rapide, enfin de où on peut aller vite. Oh, vous avez vu, je suis emporté par le courant, c'est bien fait. Et bien, au lieu de marcher, et bien, on arrivera. En... Oh, c'est quoi ça? C'est bon. D'accord. Ok, j'ai attrapé un saumon. Saute, voilà. Donc ouais, donc je disais que s'il y avait des juste à côté, ben attendez, hop. Je vous connais. Ah, c'est qui? Je suis qui alors? Ok, ça c'est good. On a exploré. On va faire un point rapide au moulin et on va aller directement à Blancherive. Tac. Donc on a encore 10 minutes, 11, 12 minutes pour être plus précis. Donc ça va. On a besoin de. J'ai envie de la tuer, mais en fait j'ai tué la poule donc j'ai pas envie de tuer lui là. Il m'a attaqué, je crois, non?
qui est sur la lune. Enfin, vite fait. Voilà. Hop. Là-bas maintenant, on va aller, je pourrais les écuries et le moulin, et puis on ira à la boulangerie. Donc le dernier moulin, il est là-bas. Il y a quelque chose là-bas, mais je crois que c'est le moulin. Enfin, là, c'est le moulin, mais là, je sais pas ce que c'est. Regardez sur mon curseur, moulin, et là, je sais pas. Bah, c'est pas ce truc. Allez. Donc, je pense que je vais tourner le deuxième épisode. Allez, le troisième épisode à la suite de celui-là. Le premier épisode, je l'ai pas du tout tourné à la suite de celui-là, parce que j'avais d'autres choses à faire après. Bon, je pars encore, c'est ma vie non plus, mais voilà. Mais là, je pense que j'ai le temps parce que voilà, c'est les vacances. On est tranquille. Ferme de plein air. Ok, super. En fait, c'est pas des moulins, c'est des fermes. Si vous combattez, excusez-moi. Vous aurez voilà une bonne chose de fait. Mais ce n'est pas grâce à vous. Vous valez quelque chose de combat. Non. Mais c'est pour cette raison que je suis ici avec mes. Vous n'êtes pas du coin, hein? C'est un ordre de guerrier. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Ouais. Cette décision. Ce vieillard a un don. Bonne chance si vous décidez d'aller le voir. Le vent m'apporte l'odeur du sang. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Donc, ça nous a donné une quête de plus. Ah non. Si, d'hiver. Adressez-vous au chef des compagnons. Ok, donc j'irai plus tard. Ça, c'est des quêtes d'hiver. Donc d'abord, quête principale. Vous inquiétez pas, on fera toutes les quêtes, hein, quasiment. Je vais prendre mon temps sur ce jeu. Je vais essayer de faire un petit peu toutes les quêtes. Hop, voilà. Écurie de Blancherie, nouvelle découverte. On va passer, faut passer par là. Hop là, tac, nickel, tac, tac. Hop, le truc de mammouth on ira plus tard, hein, c'est vrai. Le truc de mammouth c'est un camp, je le sais, mais est-ce qu'on y va maintenant? Il reste combien de temps? Il reste 8 minutes. Donc moi je pense que si on a fini la quête et tout là-bas. Donc moi je pense qu'on va y aller. Let's go. Hop. On n'a pas perdu de vie. Là c'est dans ça qu'on le voit sur la planète. Ça va. Vous voyez que là-bas, il y a une espèce de château. Voilà donc. Le camp normalement. Ouais, il est là, regardez, ça 5 ans. Là-bas, il y a des châteaux et tout, donc on ira plus tard. Toc, toc. Allez, on avance. Ouais, les gars, je suis désolé. Mais... Putain, minute. Je me casse. Vous avez vu les géants? Donc ça c'est fort. Donc ouais, on a le château là-bas, donc c'est ce que je vous avais montré. Donc on va y aller tranquillement, on se casse. On va pas perdre plus de temps. Ouh, j'aime pas ça les géants. Nous notre destination c'est là. Mais on va aller faire un tour au château. Là aussi, on ira voir. C'est où il y a. Oh, comment on vit de nouveau. Excusez-moi pour le bruit. Ok, 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 ok. Pas de bruit. Non, je...
Non, je loupe encore. Dis pas. Je crois que je l'ai touché, je vois. Ok. Frère, je pense qu'elle dit la vérité. Je n'irai nulle part. Maintenant, retirez vos salpates avant que je n'emploie la manière forte. Rouge garde. Elle ne porte pas de cicatrices. Comment? Oh, vous avez raison. Nous avons fait une erreur. Partez avant que votre grande bouche ne vous pose de grosses trucs. Qu'est-ce que c'est ça? 5 minutes encore. 5 gardes de vacherie, ça. Attendez, je vous connais. Donc on va retourner à Blanchive et c'est là où cet épisode va s'achever. Donc on n'aura pas fait non plus grand chose, mais on aura fait quand même pas mal de choses. On sera donc à la rive au bois, on aura demandé à Gardur. Un petit problème avec les poulets là. Mais bon, ça s'est bien résolu, donc on est directement à la Blanchive, on a exploré un petit peu tous les alentours. Dans le prochain épisode, on demandera ce que donnera à Blanche Rive. Moi, je pense que, par exemple, tous les 5 épisodes, 10 épisodes, donc le 5, 10, 15, 20, on fera des quêtes divers et pas... parce que là, moi, je vais plutôt m'axer sur la quête principale. Donc attendez-vous à ce que l'épisode 1, 2, 3, 4 soit de la quête principale et 5, 10, 15, ainsi de suite, soit de la quête divers, je pense. Et les quêtes divers seront peut-être un petit peu plus longs, genre une heure les épisodes, donc on verra. Bon, peut-être que je ferai un condensé des 1 heure. Pas un confidence, un condensé. Voilà. Donc c'était nul. C'était rigolo, mais c'était nul. Je sais pas comment on est. Le mec qui arrive à jouer comme ça, quoi. Waouh. Ça fait cinématique, quoi. J'ai eu peur, je me dis, waouh, comment je vais faire? Allez, ok. La ville est fermée à cause des dragons. Rivebois est en danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Ouvrez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline. Halt! La ville est fermée à cause des dragons. Ouais, mais... Seuls les affaires... Ah, je suis allé trop vite, du coup, il a pas mis... Je me suis dit, what? Tout objet d'inventaire signalé par une petite flèche indique qu'il est probablement plus efficace que celui dont vous êtes équipé. Ok. Donc je sais qu'il y a une quête avec la rouge. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante que celle. Allez. On va monter, on va monter. Je sais qu'il y en a qui vont manger, mais je vais arrêter juste avant de parler au roi. Quelque chose, c'est de la lavande. Dans mon esprit et tout, je passe toujours par là. J'ai aucun respect. Vraiment. Les mecs, ils font des escaliers et tout. Rien à battre. J'ai aucun respect, je passe par là tout le temps. Je coupe. Ok. Donc là, il va y avoir une espèce de truc avec les mages et tout. Donc... Faudra dans une nouvelle découverte. Donc. Là, j'arrive pas. Ah, ça va. Petit bug. Enfin, un petit bug. C'est peut-être moi aussi. Petit chargement. J'espère que... Bon, super. J'allais dire, j'espère qu'il va pas être long. Et on va s'arrêter là. Donc, j'espère... Oui, je pense vous en rappeler avec le petit mage qui se trouve. Je vous en prie. Ici. Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgru qui ne reçoit aucun visiteur. Alors, ok, donc on va s'arrêter là. Donc. Que signifie cette interruption? Non. Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. Mais laisse-moi faire ma fin de vidéo, bordel! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye tout le monde!